Bah voilà, nouvelle session. Bon bah voilà les gars, nouvelle session en Bretagne. J'espère enfin faire du poisson parce que de toute façon si vous voyez ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, c'est que normalement il y a du poisson. Parce que j'enchaîne les bredouilles depuis que je suis arrivé en Bretagne, c'est-à-dire depuis 3 jours. Je sors à chaque fois. Matin, après-midi, que dalle, le soir, que dalle. Donc là, ça rigole plus. Je le sens bien ce soir. Je le sens bien, je sais pas pourquoi. On va aller sur une petite pointe de roche. À la base, je voulais faire le littoral, donc pêcher de la plage. Et faire toute la plage comme ça. Mais la mer était trop basse, donc j'ai vu la pointe de roche là qui me plaisait bien. Marée basse, on va aller chercher au stick bait et donne super spook. Je pourrais peut-être même mettre le pachinko après. Si je vois que le super spook fait trop de boucan pour eux, s'ils sont un peu méfiants, je mettrai le pachinko. Mais pour l'instant, on va commencer sur le super spook et on va voir ce que ça va donner. Je le sens bien ce soir, je sais pas pourquoi. Coup du soir au stick bait, de toute façon, ça peut être la meilleure pêche possible. Le soir là, juste avant d'aller dormir, un petit coup de stick, un petit coup. Ça fait du petit bruit à la surface, une petite attaque, et là je serai refait. Juste un seul, ça me suffirait franchement. Putain, je viens de prendre de belles attaques. C'était gros en plus. Voilà, comme vous avez pu le constater, le premier signe de vie, enfin, après 4 jours. Premier signe de vie, une attaque en surface, enfin. Et voilà, donc là, ce qui va suivre. Voilà, je suis allé le lendemain sur un nouveau spot. D'ailleurs, conseillé par un pêcheur que j'ai rencontré au bord de l'eau. Voilà, dédicace à toi, Elliot. Merci de m'avoir conseillé ce spot. Et heureusement qu'il est là, qu'on a trouvé, enfin surtout qu'il a trouvé ce spot. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait pour faire du poisson en Bretagne. Voilà. Donc voilà, merci à lui de m'avoir conseillé ce spot. Vraiment sympa. Et vous allez voir la suite de la vidéo. Ça promet du lourd. Voilà. Poisson, yes! Oh, décroché! Non! Non, pourquoi? J'ai tenu enfin mon premier poisson! Allez, c'est pas grave, ça veut dire qu'ils sont en chasse. Oh non, décroché, je l'avais, putain! Allez, animation super rapide. Ah, ils sont là, les barres, ils sont là. Les faire mordre. Ah, poisson, yes! Enfin, les gars! Oh, tout le temps que j'ai attendu, yes! Ça fait plaisir! Allez, te décroche pas, s'il te plaît. Ah, yes, c'est bon, ça! Ah là là, je vais pouvoir ressentir le bar. Ah, ça fait tellement plaisir! Oh là 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 là, vous pouvez pas imaginer comment ça fait plaisir. Depuis le temps que je le cherche, tous les spots que j'ai enchaînés, on va prendre l'épuisette. Tous les spots que j'ai enchaînés, bon, je peux le drop en fait. Ah putain. Allez, la pince. Ah, ça pique en plus. Ah là là, il galère à décrocher.
Voilà. Et le dernier. Voilà. Ah bah les gars, vous savez pas comment ça fait plaisir. Ça fait tellement longtemps. Enfin, ça fait tellement longtemps. Ça fait 4 jours que j'y vais sans relâche. Voilà, c'est du petit. Attendez. C'est du petit, voilà. Mais ça fait tellement plaisir quand on sait depuis combien de temps j'enchaîne les bredouilles. Voilà. Enfin. Enfin. Ah, je suis super content. On va le remettre à l'eau juste là. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Magnifique. L'air part. Il se lalome entre les algues. Juste magnifique. J'espère qu'il va trouver son petit chemin. Ouais, ça y est. Il est en train de passer sous les algues. On va le voir ressortir de notre côté normalement. Yes. Ça fait super plaisir. Non, ça chasse devant moi. Putain. Non. Poisson. Putain, il y en a un 80 cm devant moi. C'est un bar ou un mulet? Attends. Non, c'est un mulet, j'ai eu peur. Je crois que je l'ai décroché. Ah non, c'est un vraiment tout petit. Putain. Ah du coup... What? Alors ça, si on peut appeler ça un bar... Oh non, il est vraiment tout petit. Je suis désolé. T'avoir fait mal, mon petit garçon. Enfin, ça se trouve, t'es pas un petit garçon. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait un gros bar devant moi, mais non, c'était un énorme mulet. Ah, vraiment un big mulet. Il avait exactement les mêmes couleurs que les bars. Bon. Deuxième fiche, c'est vraiment tout petit par contre. Hop, je vais te décrocher rapidement toi. Voilà. Excuse me de t'avoir fait mal, de t'avoir embêté. Tout petit bar les gars. Perche, on peut même dire que c'est une perche. Allez, va retourner et va grandir. Je te pêche dans 15 ans. Tu feras 90 mon petit gars. Allez, à plus. Enlever mes lunettes polarisantes. Ah, poisson. Yes. Au petit Zara, ça fait plaisir. J'en étais sûr. Ah, lui, c'est pas manqué. Hein. Une attaque, ça suffit. Une attaque. Bon, elle est tout petite, je peux le dropper. Il a été juste pris sur un hameçon. Un hameçon des 6, on va dire. Hop, regardez ça, petit bar. Voilà, petit bar, je vais vite fait le relâcher. Allez, va grandir mon petit gars. La vitesse qui repart, j'y crois même pas. Allez. Ah, il y a des algues par contre. Poisson, yes. C'est un peu plus gros. Ça c'est cool. Voilà. On arrive sur un nouveau spot et ça marche. On va aller le chercher à l'épuisette. Sans mettre le pied dans l'eau. Voilà. Les couleurs magnifiques. Je vais te décrocher, ne t'inquiète pas. Hop. Et de 1. Et de 2. Voilà. Retourne grandir, petit bar breton.
Golfe du Morbihan. Ça fait les 30. Allez. Oh, j'adore. C'est magnifique. J'adore. Je suis totalement accro, voilà. C'est le mot qu'il faut employer. Ça, c'est cool. Super, les gars. C'est sympa. Il va falloir que j'aille le chercher parce que là il va se mettre dans les algues. Allez. J'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille. Sinon je vais casser. Allez, il est coincé dans les algues. Bon allez, c'est parti. Ah la vase, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est pas mal. C'est un beau fish. C'est un très beau bar. Hop. Ouais. La prochaine fois, je viendrai en botte. Ah oui, il est beau. Il est sympathique. Hop. Voilà. Allez, c'est bien, mon coco. Voilà, je suis du... Oh non, j'ai de la vase partout dans les godasses. Bon, c'est sympa ça. Il a fait une belle attaque, sur une longue pause en plus. Je veux dire qu'ils sont quand même méfiants, malgré tout. Alors, t'es vraiment piqué juste sur le bord. Il est piqué avec un seul hameçon, par contre il saigne un petit peu. Voilà, décroché tout seul. Vraiment un grand garçon toi. Putain. Oh. Ouais, ça fait 36. Ça fait un peu plus de 36. Ah, il y a les vrapeuses. Voilà, magnifique poisson. Regardez-moi ça. En poisson, je m'en lasserai. Ce poisson, je m'en lasserai jamais de le pêcher. Toujours imprévisible. Vraiment imprévisible. Hein. Regardez-moi cette gueule de fou furieux. Magnifique. Allez. On va en profiter pour faire une belle release. Hop. Oh là là, il repart. Dans les algues. Magnifique, j'adore, il n'y a qu'un seul mot. Super.